Les deux Skoda, c'est la première fois qu'on voit ça en France. Ben, la bleue a mieux démarré. Et regardez au milieu. La Dacia Sandero. Le freinage tardif. Ouais, c'est David Moulin qui en profite. C'est vraiment tardif, hein, de Jimmy Carpourou. Ah, il a remise de droite et il passe à l'intérieur. Allez, viens, on va y. La porte de Jimmy est debout là maintenant, ouais, dans le milieu du spectateur. On a profité qu'à deuxième devant la voiture de David Moulin. Et devant, c'est parti pour la prise d'avance. Le nouveau champion de France 2018. Oui, alors rien de tel que piquer au vif Jimmy Terpereau. Un des freinages de folie pour Jimmy pour revenir dans les roues de Ivonic. Deux bêtes que ça s'appelle. On rappelle qu'il est là pour approcher 27 voitures déjà sur le papier pour la catégorie. Super 1600. Allez, Jimmy Terpereau, c'est le deuxième qui est revenu de l'épreuve d'Allemagne le week-end dernier. Ouais, sur trois roues la main. Ça paye pas, il revient. Allez, les chronos des deux pilotes. Le chrono des deux pilotes dans la ligne droite. Terpereau était en 43,533. Il est revenu, il était en 41,905. Mais quand il sortait de son détecteur, on aura les vrais chronos. Les vrais chronos, Jamy. En 36,655, il n'y a pas beaucoup. Deux dixièmes à l'avantage de Jagu. Allez, la ligne droite, d'en face. Toujours en tête. Yvonick Jagu, champion de France de la Vicross 2018. Ne l'oubliez pas, ce titre. Tour Joker pour Jimmy Terpereau. Ouais. C'est joli la déco. Superbe la voiture avec Jimmy, tous ses partenaires et Graf Cup notamment qui ont préparé cette voiture. Et c'est une petite melon qui est tombée. Allez, Berger, par Maximilien, en forme de Hugo Eriks. Et rappelez qu'elle est notamment au moins ici, sur le top taxi. C'est Béranger qui a pris le. Il est bien, hein. C'est incroyable, c'est pas si pilote, mais même pas mieux que Maximilien. En fait, le souffle dans la famille. Allez, le champion de France qui sort du Tour Joker. Et regardez où il est. Voilà, et victoire du Monique Jagu. Devant Jimmy Terpereau qui découvre sa voiture. Troisième pour David Moulin. Et le